Vous voulez tous devenir riches, je suis sûr. Eh bien, mes chers amis, nous avons un jour extraordinaire qui va influencer sur nous une parnassa ou be'revach gadol avec beaucoup d'abondance. Il est marqué dans le Sefer Marchavot Charutz, qui est-ce qu'il a écrit? Rabbi Tzadok Cohen, Miloublin. Il a écrit que le jour de Rosh Yom Rosh Hashana Rabba, c'est-à-dire le dernier jour de Sukkot. Ça veut dire qu'on a Sukkot et puis après le lendemain on a Simchat Torah, la veille où on la veillée. Cette veillée, c'est un moment où on peut influencer sur nous, Bene Umzone, Shefa Bene Umzone, et pour avoir des enfants et pour avoir une grande parnassa. Et la raison, elle en est. Que parce que justement, toute la raison pour laquelle eh bien, on faisait au Sha'ana Rabba, c'est parce que c'est de l'eau, toutes ces quatre espèces sont des quatre espèces qui ont besoin d'énormément d'eau. Surtout la sole, on sait que c'est le sol pleureur, c'est le sol, pas le sol pleureur justement, c'est le sol qui pose à côté des sources d'eau. Pour dire, et l'eau, on sait très bien que c'est l'influence de la Parnassa, c'est la raison pour laquelle. Le jour de Hoshaana Rabba, il faut prier à Kadosh Baruch Hu de toutes ses forces, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne une parnassa grande et facile pour pouvoir étudier la Torah tout au long de l'année. Ça, c'est la première ségoula. La deuxième ségoula du jour de Hoshaana Rabba, de prendre une petite feuille qu'il y a des cinq badé aravot. On avait expliqué une fois dans un cours que ces cinq Badé Aravot, ils sont Keneged, les cinq clipotes, c'est-à-dire les cinq forces du mal. Que on prend ces cinq forces du mal, Anan, Arafel, Esh, Mitlakechet, et Veruach Se'ara, ces vents, ce feu qui sont des clipotes, des forces du mal, on les prend, on les tape dans la terre. Quand tu as tapé dans la terre, eh bien, tu as ouvert la porte et tout le flux divin, il peut tomber sur toi. Eh bien, tu prends juste une petite feuille de la Hoshaana Rabba. Tu la mets dans ton porte-monnaie et tu la laisses là-bas toute l'année jusqu'à l'année prochaine. Be'ezrat Hashem. Il y a un autre ségoula, c'est pour les mauvais rêves. Celui qui a des mauvais rêves, eh bien, qui met ça dans une petite pochette et qui met sous le coussin, eh bien, c'est aussi une ségoula pour les mauvais rêves. Et donc, comme on vient de le dire, pour la Parnassa. Mes chers amis, eh bien, c'est pas beaucoup et facile de se lever, d'aller taper ces branches de Harava. Et surtout de prier le jour de Hoshaana Rabba pour notre Parnassa, et que Kadosh Baruch Hu nous donne à tout le monde l'abondance, Be'ezrat Hashem, et une Parnassa sans souci. Baruch Adonai, le Olam, Amen.